Jamel pour l'instant. Oui, pour le moment. Et il s'est tellement fait attendre qu'on ne l'a pas encore vu. Mais honnêtement, moi, ça me dérange pas trop, à mesure où on a assisté vraiment à de très belles oppositions, de belles actions avec des combattants de qualité face à face. Bon, le chaos, c'est bien quelquefois. Maintenant, si on peut des fois aller au bout des rencontres et apprécier deux combattants jusqu'au bout, c'est bien aussi. Voilà, et on a aperçu Eddie Knight Slimani aussi, superbe combattant de K1. Et derrière nous, combattant du World GBC Tour de David Blanc. David Blanc qui est aussi dans la salle. Bon, et puis la soirée a bien commencé pour vous, fans de sport de combat. Vous savez, elle va se poursuivre cette nuit puisque vous aurez rendez-vous à 4h du matin en direct depuis Chicago pour une nouvelle édition de l'Ultimate Fighting Championship. Et puis pour les noctambules fans de sport de combat, il faudra aussi veiller tard la semaine prochaine dans la nuit de samedi 15 au dimanche 16 pour retrouver Samir Hammoudi et Ibrahim Asloum qui vous commenteront ce combat de poids lourd entre Tyson Fury et Schwartz, catégorie des poids lourds en boxe anglaise qui est un peu le baromètre de toute la discipline et qui en ce moment ne cesse de bouger. Et là encore, ça promet des grands moments devant les antennes d'RMC Sport. Et puis nous, on se retrouvera dans deux semaines, le samedi 22. Ça démarrera tôt, 19h. Ne donnez pas de rendez-vous, ne prévoyez pas de sortie. Ça se passera sur notre antenne de 19h à 23h. Et là aussi, ce sera une pléiade de grands champions. Now, ladies and gentlemen, please welcome. Allez, Wilson Barrett là déjà sur le ring. Lui qui est qualifié comme Gianni Fioranti, qualifié pour le mois d'octobre au Partouche Kickboxing Tour de Kader Maarouf. Mais qui a fort à faire ce soir, Kamel. On va pas se mentir, il va falloir être plus résistant que Joe Craven, qu'on a vu se faire pulvériser, laminer, ouais, atomiser sur le ring du PSM Fight Night à Bruxelles au Palais 12. Voilà, on sait que le contraste est saisissant entre le Youssef Bouganem à la ville, en civil, un garçon qu'on peut rencontrer dans les rues de Pattaya parfois, en pleine soirée, en train de se chercher un repas, et puis l'homme qui chausse les gants, qui enfile son protège-dents et qui enjambe les cordes du ring et qui d'un seul coup se dévoile sauvage, brutal, violent, impitoyable et intraitable. Ouais, c'est le parcours d'un garçon qui a découvert la Thaïlande et le Muay Thai à son plus jeune âge. Hein. Il est parti directement dans le feu de la Thaïlande. Il a boxé quelques fois 5, 6 fois par mois, lui et son frère également. Son frère qui est là. Ça forge, ça rend plus fort. Et puis surtout le parcours exceptionnel derrière avec toutes ses ceintures remportées. Aujourd'hui, Youssef Bouganem est l'étranger le plus connu en Thaïlande. Le plus connu et le plus titré. Il a tout simplement, phénomène unique, décroché les trois ceintures des trois principaux stadiums, l'Om Noi, le Raja et le Lumpini. Et puis pour ceux qui le découvrent, pour ceux qui nous rejoignent sur RMC Sport et qui découvrent donc ces sports et ce combattant avec son frère qui le suit derrière, bah ça a été le choix de la boxe a été une nécessité, Kamel. On ne peut pas en parler d'un choix. Ils se sont retrouvés orphelins très jeunes. L'aîné qui est Youssef, qui va boxer ce soir, a dû prendre son frère sous son aile. Et le seul moyen de subsistance qu'ils aient trouvé, ça a été de livrer des combats pour être payé à la fin de ceux-ci et pouvoir remplir le frigo quasiment du jour au lendemain. Quoi. Oui, je le disais, par exemple, Yacine Bouganem a réalisé 150 combats en 4 ans en Thaïlande. Je vous laisse répartir ces 150 combats sur 4 années. D'ailleurs, ça fait quand même beaucoup de combats, même par mois. Et peut-être que si nos amis de la boxe anglaise avaient connu et regardé Yacine Bouganem sur l'antenne d'RMC Sport lorsque nous l'avons commenté à de nombreuses reprises, peut-être ne se serait-il pas laissé prendre au piège samedi dernier par le physique d'Andy Ruiz. Parce que s'il y en a un qui peut vous démontrer que le physique n'est rien dans les sports de combat, que la technique l'emporte surtout et le cœur avec, et ben c'est bien Yacine Bouganem. Aix-en-Provence, this is Arena Fight! Introducing first, fighting out of the black corner, he is the reigning WBC World Muay Thai Champion and was recently named the WBC Fighter of the Year. His professional record, un palmarès exceptionnel, 212 victoires, 30 défaites, 123 remportées par KO.
6 matchs nuls seulement. At 5 feet 10 inches tall, palmarès de taille. 81 meters. He waited a fight time at an even 156 pounds, 70.8 kilograms. Fighting out of Morocco by way of Thailand, here is the Terminator, Yusuf Bouganev. Ah, j'avais annoncé Belgique-France pour l'ultime combat, mais avec les doubles nationalités, on va se retrouver avec un Maroc-Cap-Vert. Who began his fighting career at the age of 19, his young professional record. Et pour Wilson Barrella, c'est vraiment un honneur que d'être sur le même rime que Youssef Bouganev. Il sait que ça ne va pas être facile, ça va être même un combat très très dur. Mais voilà, on fait de la boxe pour ces moments-là, pour être face au meilleur. Out of Marseille, France, ladies and gentlemen, here is Wilson Barrella. Extrêmement sympathique, hein, Wilson, quand on s'est entretenu avec lui au Partouche Kickboxing Tour. Combattant posé, Xavier réfléchi. Xavier Lafaille pour arbitrer ce dernier combat de la soirée. Cet étirement de Youssef, capté par notre réalisateur du soir, Serge Bergli, qu'on remercie, et ses équipes. Ouais, une superbe équipe ce soir pour couvrir cet événement. Plus grand, Wilson Barrella. Et une petite mention particulière pour Emma Roselman qui nous a mis dans les meilleures conditions ce soir, que ce soit pour la voiture de location, pour le train, pour la chambre d'hôtel. On peut vraiment compter sur elle. Allez, c'est parti pour 5 reprises, les 5 dernières reprises de cette soirée exceptionnelle. Il faut y aller sans complexe. Oui, parce qu'il y a un moment où il va placer son accélération et à partir de là, il sera théoriquement inarrêtable. Il y a le risque, hein, souvent quand des jeunes combattants comme Wilson Barrella affrontent des grands champions comme Youssef Bouganev, c'est de trop les respecter, de les regarder, de ne pas tenter leur chance. Il faut. Ouh, attention, ouh là là, il est bien arrivé dans la coquille celui-là aussi. Ouais. Et comme on le disait au micro tout à l'heure et comme l'a confirmé Johan, jamais évident de revenir d'un combat comme ça. Ouais, ça perturbe et puis ça peut durer quelques minutes, donc combat continue à se dérouler. Ou chez Youssef, ça peut énerver, ça peut le faire sortir de ses gonds plutôt qu'il ne l'avait prévu, planifié. Mais il ne va pas au hasard, hein, Youssef Bouganev. J'ai discuté un petit peu avec lui, il m'a dit qu'il avait vu les combats de Wilson Barrella. Il sait que c'est un combattant qu'il faut prendre au sérieux. Quand on arrive au niveau de Bouganev, de Youssef, en général, on sous-estime personne. Hein. Ouais, on a intérêt, hein, si on veut rester à ce niveau. Quand on a plus de 200 victoires, on en a vu de toutes les couleurs. J'aime bien l'attitude de Wilson Barrella dans ses premiers échanges. Il n'a pas peur, en tout cas. Il n'est pas intimidé. Il est plus, lui, dans sa discipline que ne l'est Youssef, même si c'est pas un novice en K1 Rules. Oui, allez, fini. C'est bien encore, enchaînement de deux jambes placées par Wilson Barrella. La bonne distance, elle allonge bien. Pour Youssef. Et Youssef qui recule. À la dernière fois qu'on a vu Youssef un peu en difficulté, ça date, hein, c'était face à Gaëtan Dambo. On en parlait en tout début de soirée et on le rappelle donc en toute fin. Gaëtan Dambo que Youssef avait battu au Thai Fight Paris, mais qui avait eu quand même des difficultés. Continue. Continue.
Très bien, strong kick dans le timing pour Wilson Varela. Il a fait mieux que tenir dans cette reprise, Wilson Varela. Il a fait jeu égal et même quelquefois il a dépassé Youssef Bouganem. Ça passe plus, Youssef. Impose ton rythme, marchez genoux, tiens, marchez genoux, tiens, mais plus de genoux. Il est chez lui. En haut, en bas, plus de chez lui. Il est chez lui, il faut plus que tu marques de points. Tu marques là, il a perdu une round. Ouais, t'as perdu une étape. 4 rounds. Il faut que tu fasses plus sur les genoux. Mets plus de pression, mets plus de pression. 1, 2, crochet, crochet. Ne te jette pas quand tu vas chercher en bas. Ne te jette pas d'avoir une pointe et là tu vas chercher. Ok. Bloque ses jambes. À chaque enchaînement, respire. Ça va quelque part ou pas? Il a bien le point parce qu'il lève les jambes, Youssef. Il rompt bien la garde. Ce qu'on n'a pas suivi le début de saison avec les qualifications du Partouche Kickboxing Tour, ben sachez que voilà, au mois d'octobre prochain, vous aurez rendez-vous avec ce garçon, Wilson Varela, vous aurez rendez-vous avec Gianni Fiorenti, vous avez vu tout à l'heure s'imposer sur Ahu Belkaïdar, vous aurez rendez-vous, bref, en octobre, avec une soirée encore magnifique et extrêmement relevée, offerte et proposée par Kader Maarouf. Allez, deuxième reprise, c'est sûr que le Belge va, le Marocain ce soir va tenter de durcir. Et pour le moment, c'est les points de Wilson Varela qui sont plus percutants. Lucas arrière, le 4 arrière. Oui. Oui. Béjar, finish. Travail. Attention, il s'est trop attardé sur le corps. Il n'y a plus de garde en haut. Et non, il a le flanc droit. Le franc, le flanc, l'avant-bras également. Bien martyrisé par la jambe gauche de Wilson. Attention, réflexe Muay Thai. C'est mieux amené là, cette action avec le look kick à l'intérieur pour Wilson Varela. Travaille en ligne basse. Ça y est, le visage de Youssef Bouganem, il va durcir. Kamel. Ouais, il va commencer à durcir. Très bien ce que fait Wilson Varela avec. Il panique pas, il reste lucide. Il touche ce qu'il faut. Il a des bons déplacements pour l'instant, et une rotation interdite. Ça c'est pareil, il est innocent quand même, hein. C'est la difficulté aussi qui Il suffit de regarder le visage de Youssef Bouganem, déjà bien rougi. Il est énervé Youssef. Ce qui peut arriver de pire à un combattant, c'est justement de s'énerver. Et de rentrer dans une épreuve de force où finalement ça va être un peu au petit bonheur de la chance. Oh, et ça aurait pu être sur cette droite que Bouganem coupe le tapis. Impressionnant Wilson Varela pour l'instant. En tout cas elle l'a laissé en suspens, il avance pas Youssef. Et l'Uperkut qui rentre. Plus il va être agacé, plus il va se découvrir et il va s'exposer au contre Youssef Bouganem. La colère est mauvaise conseillère. Mais attention, il perd la réaction aussi. Ah oui, le décalage. Il a bien désaxé pour éviter le jab. Ah ben on peut dire une reprise remportée par Wilson Varela. Mais les choses ont peut-être changé dès la troisième. Oh, la jambe arrière seule. Arrière à tout seul.
Oui, c'est très bien. C'est très bien. Va pas l'impression la guerre, il est débordé, mon pote. Il est débordé à distance. Youssef Bouganem, c'est un petit peu comme les Pokémon. À chaque route, c'est une mutation. Wilson, il est pour nous. On écrit l'histoire, Wilson. Il essaie de te mettre dedans pour être dans la guerre. Intelligent, bien les franquis. Et travaille en ligne. 1-3, 3-4, jambes arrière. Jambes arrière tout seul. Quand tu es posé, tu lui fais mal. Méchant. Oui. Allez, Lyon. Mon pote, on est là. Tu as mouillé derrière. J'ai mouillé. Mon pote, on écrit. Ça y est, là. Tu as deux rounds à toi. Ouais. Allez, mon pote, continue. Bon, il ne faut pas allez, dormir. Il va dors pas. Ouais. Dors pas. Il sait qu'il est en retard. Quand il sursit. Allez, une lecture extrêmement lucide dans le coin de Wilson Varela. On l'a prévenu qu'il avait gagné les deux premiers rounds. Et on l'a aussi mis en garde sur la réaction à venir. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir réaction. Youssef Bouganem. Il va y avoir réaction du côté de Youssef Bouganem. Mais on voit bien que Wilson Varela a bien préparé cette rencontre. Pour l'instant, il a les clés quand même pour faire déjouer la boxe de Youssef. Il faut que ça tienne, il faut que ça dure. Encore trois rounds à disputer. Oh, il est touché. Et il est en suspens. Et Bouganem est touché. Incroyable! La même droite qu'il avait pris dans la reprise précédente, et là il a titubé. Et il ne devrait pas se précipiter comme voilà, ça. Voilà, il va prendre son temps. Il a souvent joué à sa passe ou sa casse, et jusqu'à maintenant c'est passé. Mais un jour, peut-être ce soir, ça pourrait bien casser. Et ça va mettre du baume au cœur. Ça va remplir Wilson de confiance. Et vous disiez que Youssef Bouganem est connu en Thaïlande. Il est connu dans le monde entier, Youssef. Et selon ce que va faire Wilson Varela ce soir, eh bien, il va profiter de cette position. Un bond énorme, Wilson Varela. On n'y est pas encore, nous sommes seulement dans la troisième reprise, il reste du temps. On n'y est pas encore Kamel, mais vous voyez, la performance de Gaëtan contre Youssef, on en parle encore des années après. Alors, un Wilson Varela qui pourrait obtenir peut-être un knockdown. Imaginez une victoire alors. Oui, il est saisi parce qu'il n'en peut plus. Vas-y, 3-4. Hémorragie buccale là pour Youssef Bouganem. Sûrement causé par la droite de Wilson Varela. Vas-y. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne retrouve pas l'activité du Youssef Bouganem, justement, avec ce travail de jambes. Cette montée en puissance au fil des reprises. Là, il essaye, mais il est tout de suite stoppé par une belle action de Wilson Varela. Petite glissade. On vous demande de suivre les coins, si vous voulez. C'est le 9e combat de la soirée. Hein. 7e pour nous, mais 9e pour cette bâche. Et on a vu la bâche. On a épongé, qui a épongé plus d'une flaque de sueur. Et une nouvelle puissante passée par Youssef. En passant de Sami Sana à Youssef Bouganem, il est passé de la peste au choléra à Wilson Varela. Et si lui, c'était la lèpre. Allez, c'est la fin de cette reprise. Une reprise où on a vu un Youssef Bouganem en difficulté, pas loin de se retrouver au tapis. Youssef, c'est la sauce. La sauce.
de gros champ. C'est toi le meilleur. Tes axes, un gros champ derrière. Il a une droite, c'est tout. Il va te piquer avec sa droite comme d'hab. Allez, on va attaquer la quatrième reprise. Et Wilson Varela effectue le premier 5x3 de sa carrière. C'est là qu'on va voir. T'as pas le droit de perdre. Allez, pas du coup dans l'arc, ça pas dans les gars, c'est pas ton ami, c'est pas ton ami, c'est pas ton ami, pas dans le serrou là. Ah, il doit y avoir une réaction la part de Youssef Bouganem. Il est là, il est prêt à rendre tout pour coup Wilson Varela. Attention, Youssef a envoyé encore un peu plus de coups. Il laisse en crochet qu'il attaque. Il sait qu'il doit faire quelque chose dans cette reprise, Youssef. Ah, on lui a dit en son coin, on l'a piqué. À l'orgueil, on lui a dit t'as pas le droit de perdre, il a qu'une droite en face. Oh, s'il avait qu'une droite, non, c'est la pas question vrai, se poserait c'est pas. Vrai. On a vu un Wilson Varela complet, efficace avec ses jambes, avec ses poings également. Quel fight card quand même. Ouais, exceptionnel. C'est incroyable. On s'en rappellera longtemps, je pense. Incroyable ce qu'ont réalisé les organisateurs de cette Arena Fight. Pouvoir faire venir ces combattants, pouvoir les réunir, les annoncer et faire en sorte qu'ils soient là le soir du combat. Allez, il faut continuer à travailler Wilson Varela parce que là, il reste du temps dans ce combat. Genou en fond. Ouais, il a pas aimé, il recule. Ah, le menu que lui sert ce soir, Wilson Varela a du mal à passer. Allez, encore une minute à tenir dans cette quatrième reprise. 1:10. Allez, et Youssef qui a bien sûr tout tenté jusqu'au bout. Et Youssef qui n'est pas battu encore, hein, quand même. Non, il est loin d'être battu. Hein. On est évidemment très agréablement surpris par la prestation de Wilson Varela. Allez, c'est bien, ce travail au corps avec la remontée crochet gauche de Youssef Bouganem. Allez, il met plus de coups maintenant. Et il y a aussi moins de remises de la part de Wilson Varela dans cette fin de reprise. Et on va trembler évidemment pour lui à la cinquième. Parce que des cinquièmes reprises en fanfare, il a l'habitude d'en livrer Youssef Bouganem quand son adversaire lui. Mais là les coups envoyés par Youssef Bouganem sont faits pour arracher les têtes. Il n'y a aucune préparation. Et c'est la fin d'une très très belle quatrième reprise. Avec un Youssef beaucoup plus agressif, mais un Varela qui tient toujours. Même en plus. C'est 3 minutes, Youssef. Sacré team que cette team croyant. Peut compter Gianni Fiorenti, Mathias Giannoyant, Tristan Bénard et Wilson Varela. Et surtout bien d'autres encore. Cinquième et dernier. Inspire, expire. Plus Youssef, ok. Ne te gêne pas, Youssef.
Et on va retenir notre souffle, Kamel, pendant les trois ultimes minutes de cette soirée. Aix-en-Provence, capitale française. Et regardez, du pied-point. Et regardez, Wilson Varela déjà au centre. Les trois dernières minutes de cette magnifique soirée. Hey. Allez, il va tout mettre sur les très courts crochets, Youssef Bouganem. Ah, il va aller chercher le KO. Seule solution pour lui de ne pas s'en remettre à l'avis des juges. Attention, il ne faut pas non plus trop reculer du côté de Wilson Varela. Oh, encore il l'a repassé cette droite et a fait reculer Youssef. Et là, il est percute. Il y a de la puissance dans les points de ce garçon, Wilson Varela. Ah, il y a une confiance en lui que je n'aurais pas soupçonné quand même. C'est les combats qui galvanisent et qui donnent envie d'en faire deux fois, trois fois plus à la salle. Et voilà le résultat que ça donne. Et quel rapport lui percute. Youssef qui recule. Et quel message il est en train d'envoyer Wilson Varela aux autres finalistes du Partouche Kickboxing Tour. Et là, c'est pas qu'aux finalistes du Partouche Kickboxing Tour qui envoie. C'est à tous les combattants de 72 kilos. Un peu comme le message qu'a envoyé Sami Sana à tout le monde en détruisant Yotren Klai. C'est vrai. Et dire que ces deux-là auraient dû se retrouver ce soir. Bah, ce sera peut-être pour la prochaine édition de l'Arena Fight. Et la rencontre a encore plus d'intérêt maintenant. C'est vrai. Allez, plus qu'une minute 20. Il a repris un petit peu les commandes de cette reprise, Wilson Varela. Ouais, ce qui est plutôt encourageant pour lui. Pouvoir gérer un peu cette cinquième reprise. J'ai vu Wilson Varela qui n'a peut-être pas cru à ce moment-là et qui n'a pas pu enchaîner avec notamment par exemple un uppercut. Mais regardez dans le coin de Youssef Bouganem, on est surpris. On est en apnée même. Ah, faut dire qu'on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, hein, Youssef. Allez, 30 dernières secondes, je crois qu'on ne l'a jamais vu comme ça. De l'exploit pour Wilson Varela. Oh là là. Incroyable. Oh là là. Incroyable ce que vient de réaliser Wilson Varela. Extraordinaire. Ah, maintenant il peut aller écouter le tapis. Allez, à la hauteur de l'expert parce qu'il sait qu'il a réalisé un énorme combat ce soir, Wilson Varela. Ah, il a été surpris, hein, Youssef Bouganem, par un jeune Wilson Varela qui a pris très au sérieux cette rencontre. Et voilà, le respect. Et les surprises continuent après après les défaites des garçons comme Sidney Shai, Yotsen Klai. On n'est pas loin d'assister à la défaite de Youssef Bouganem face à
à ce jeune Wilson Varela. Ladies and gentlemen, your main event goes the distance, so we go to the judges' scorecard. They give us back a split decision. Hey, la décision. For your winner, and now Arena Fight, 71 kilogram champion, Wilson! Eh oui, victoire de Wilson Varela qui crée la surprise. Ah, et l'émotion, elle est complètement compréhensible. Victoire partagée, mais victoire, ça c'est sûr. Énorme, énorme ce que vient de réaliser Wilson Varela, Kamel. Ouais, alors il est évidemment submergé par l'émotion et je vais essayer quand même d'avoir quelques mots de Wilson. Wilson, c'est extraordinaire ce que tu viens de réaliser ce soir. Vraiment, on ne s'attendait pas à une domination comme ça. Quel était le game plan? Pas reculer, faire le travail, jambes. Ne pas tomber dans son jeu, ne pas tomber dans son rythme non plus. Et faire le travail. Et jamais lâcher au troisième round, ni au quatrième round. Le quatrième et le cinquième, c'était nouveau pour toi. Oui. Tu as douté justement sur ta capacité à poursuivre, à maintenir ce pressing? Au troisième, j'ai commencé à douter. Parce que j'ai vu beaucoup de combats à lui, je suis un fan aussi, je mens pas. Et au troisième round, il met tout le monde KO, au quatrième aussi. Je me suis dit, c'est là où j'attends fait le plus. Et je passe le troisième round, quatrième round, je me dis, en fait, non, c'est pas si dur que ça. C'est les mecs qui doivent bien s'entraîner, être durs. C'est dans la tête, tout ça. Et toi, justement, dans la tête, tu t'étais particulièrement préparé, sachant que on en avait parlé, toi et moi, au Partouche Kickboxing Tour cette année, quand tu t'es qualifié. On avait parlé de Sami Sana, et oui, souviens-toi, mais... je t'avais dit, Sami est engagé dans le ONE FC. Oui, ça m'étonnerait qu'il soit là oui, ce voilà, soir. J'étais un peu dégoûté. Ouais, mais c'est pas un cadeau qu'on t'a fait. Non, pas du tout. Bouganem, c'est encore pire. C'est vraiment pas un cadeau. Et j'ai travaillé pendant des semaines sans m'arrêter, nuit et jour. Je vous mens pas. Mon traîneur, il est hyper fier de moi. C'est la première fois qu'il m'a dit qu'il m'a jamais vu comme ça. Et j'ai travaillé dur pour gagner, pour faire histoire. Ce soir, 80% de chances de perdre, je suis toujours là, main levée. La ça ceinture, fait... on amène à la maison la ceinture. Hein ? Ça fait quelques semaines qu'on constate sur les rings de boxe, qu'ils soient de pied-point ou d'anglaise, qu'il n'y a pas vraiment de favoris en justement, vérité. C'est ça que les gens doivent se dire dans leur tête. C'est le travail qui compte. C'est le travail qui compte. Rien de plus. Bon ben voilà une victoire qui va te faire beaucoup de bien personnellement au niveau de ton palmarès oui. Et puis dans la perspective de cette finale où on t'attend au mois d'octobre prochain à Lyon, c'est les autres qui vont te craindre maintenant. Non, je suis un homme comme tous les autres, hein. Faut juste être prêt, bien entraîné et bien dans la tête, mentalement et physiquement. Après le reste c'est Dieu qui donne. Bon ben écoute, voilà. C'est ce Wilson là qu'on espère nous revoir en tout cas au mois d'octobre. On va te laisser savourer cette victoire, on le sait, beaucoup de travail et donc ça mérite beaucoup de repos derrière. Ouais. J'ai pris mes vacances déjà, c'est bon, ça y est, ouais. Je suis en vacances là. Bravo en tout cas, bravo à toi Wilson. Tu as failli l'envoyer au tapis à un moment. Hein. Tu oui, as senti sais. Qu'il était. Je sais, mais je me suis pas près du knockdown. Il y a 5 rounds à faire donc faut pas se cramer. Bah, voilà. C'est bien, ça a été un combat très intelligent et mené avec les tripes. Merci beaucoup Wilson, merci et on sera très content de te voir au mois d'octobre.